Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On est en vacances, il fait beau, que demander de plus? Il manque juste un petit peu les vagues. Ça, c'est un peu compliqué là avec la tempête et tout. Mais bon, ça devrait arriver à la fin de la semaine. Même là, je pourrais sûrement me mettre à l'eau cet après-midi. Enfin, du moins, je vais essayer. Du coup, ce qu'on va faire là ce matin, comme il n'y a pas de vagues, on va aller direction les Sables d'Olonne. Vous emmenez avec moi, vous l'avez sûrement vu dans le titre. De toute façon, on va aller récupérer ma nouvelle planche. Donc, c'est parti! Ouais, tu m'avais envoyé, ouais. Ah oui, mais je te l'ai envoyé quand c'était pas encore. Non, quand c'était pas fini, ouais. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Look, I ain't saying that I'm rich, cause if I'm honest, I've never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people that I'm better than. Du coup, je viens de rentrer, on a récupéré la board. Franchement, du coup, vous avez vu, j'ai fait quelques plans et tout. Je vais vous la montrer. Regardez, la voilà. Donc, je vais la présenter un peu. C'est une D16 Surfboard, donc un shaper vendéen. Franchement, c'est du très très bon taf. C'est une 5-10, 26,5 litres. Puis après pour le reste des cotes, je vous avoue que je ne connais pas trop, mais il y en a un c'est l'épaisseur et l'autre c'est la largeur. On a du 18 3 quarts et du 21 2 16e je crois. Et donc le modèle c'est une yardie, donc c'est le modèle le plus polyvalent qu'il fait. Donc franchement elle est vraiment vraiment propre. J'ai hâte de la surfer, donc je vais aller faire quelques photos avec. On se retrouve dans quelques jours quand il y a des vagues et quand je la surfe. C'est parti. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Bon du coup, je vais me mettre à l'eau. Il y a un mec. Ça a l'air plutôt cool. Il y a un peu de taille, c'est dans le short break. Du coup, au final, j'ai déjà testé ma board hier. J'ai fait une session le matin, une session l'après-midi, mais les deux sessions elles étaient grave grave cool. Du coup j'ai décidé de vous les montrer dans une vidéo séparée. Du coup n'hésitez pas à vous abonner pour pas les louper, ça devrait arriver dimanche prochain. Je vais faire une petite session avec cette board quand même pour que vous ayez une session dans la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, c'est parti. People wanna talk, they're talking reality. You have not seen me in action. You think the karma comes overnight, you ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but G's don't come easy. When you tryna eat, I produce and a rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you tryna cut out a piece of my pie, and I asked you politely, what's it? Comme un connard, j'ai voulu faire un angle trop serré pour sortir alors que j'avais trop de vitesse, du coup ma board elle a pas suivi et je me suis éclaté. Putain, la GoPro vous vous rendez pas compte, mais il y a des sets qui passent derrière là. Là-bas, attendez. Oh non, ça c'est pour ma gueule. Oh non. Une session qui était censée être une session tranquille se transforme en grosse session.
Bon bah là je vais pas retourner mon putain. Après cette vague, je vais finir là-dessus, en plus je suis au bord là. Trop la flemme d'y retourner. Oh cette vague incroyable. Jusqu'au bord. Elle était tendue, elle était bien bien fat. Il y a eu 2-3 moments j'étais pas à l'aise, hein. J'ai cru que j'allais me péter la gueule. Bon du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. La session était bien bien cool, j'ai pu tester cette nouvelle board qui est incroyable. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner avec un petit pouce bleu, ça me soutient, ça m'aide beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.